Coucou les cupcakes, c'est Lila. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog. On est le dimanche 17 février et aujourd'hui je vous emmène avec nous. Il est à peu près midi et demi et là on s'en va au salon rétro de Gien, comme je vous disais tout à l'heure. On a mangé beaucoup plus tôt, comme ça on part maintenant, vu qu'on a 3 quarts d'heure de route, ça nous permettra d'arriver aux alentours d'une heure et quelques. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ça, j'espère que cette petite journée ensemble vous plaira. Coucou les enfants! Re-coucou les cupcakes, il est 17h30 environ, enfin 17h20, et là on est sorti du salon qui est juste derrière, dans la grande salle. On va rentrer à la maison tranquillement, on a fait quelques achats. Je vais vous montrer tout ça en rentrant. Bisous, à tout à l'heure. Re-coucou les cupcakes, là je vous retrouve, on est à la maison, je sais pas du tout quelle heure il est, il doit être 18h, un truc comme ça, enfin bref. On vient de rentrer, je vais vous montrer un petit peu les petits achats qu'on a fait, donc avec Doudou on s'est fait un petit peu plaisir, on a pris quelques trucs, ouais il est 18h20, quand l'ordinateur vient de s'allumer, ça va.
Voilà, on a pris quelques petits trucs pour nous. Et j'ai aussi trouvé deux petites peluches pour les enfants. Donc c'était varié en fait, il y avait pas mal de choses au salon comme vous avez pu voir dans les extraits juste avant. Il y a vraiment des gens qui vendaient des choses rétro, vraiment comment dire, du vrai rétro, c'est-à-dire des choses de récupération, etc. Je suis désolée pour le bruit, il y a Thésée et Orphée qui jouent avec les gros Lego, donc ça fait beaucoup de bruit. Ouais, il y a vraiment des choses comme ça, et après il y avait des copies modernes de choses rétro et vintage. Voilà. Il y avait pas mal de personnes pin-up, enfin vraiment beaucoup de gens qui étaient venus habillés en pin-up, en mode rétro, rockabilly, etc. C'était vraiment sympa. Donc nous on y a été avec du coup Doudou et les deux enfants, et là-bas on a rejoint Rémi et Philippine, que vous avez peut-être aperçu de dos dans la vidéo à un moment, je crois après. Et Calypso et son amie Jennifer nous ont rejoint après. Pardon. Donc voilà, j'arrête le blabla, je vous montre tout de suite nos petits achats. Donc déjà pour les enfants, voilà, j'ai trouvé ce gros Mickey là pour Orphée, il avait une bonne tête, les Mickey qui en ce moment au magasin sont pas très très beaux, et il était vraiment plutôt mignon et assez grand, et voilà, il était à 10€, donc du coup on a fait plaisir à Orphée, sauf que on était qu'avec Thésée à ce moment là, et Thésée je pense qu'il avait cru que c'était pour lui, il voulait vraiment une peluche, il disait encore, et du coup bah on lui a trouvé le petit avec Fantasia comme ça, et il était trop ravi, il n'a pas arrêté de le prendre. Vous voyez, là il vient de récupérer en fait. Voilà, il vient récupérer sa peluche. Au moins je crois qu'elle lui plaît vraiment. Donc voilà, je regardais là-bas parce que Baphilly est avec moi, hein, du coup ils sont venus à la maison après, et Paul est dans le jardin, c'est pour ça que vous n'allez pas le voir là. Voilà, je vais vous montrer les achats qu'on a fait. Donc déjà, en truc moins rétro, etc., j'ai acheté... ce CD de Indochine, donc c'est Paradise, que j'ai payé 4€ et je suis super contente parce que je le voulais trop depuis un moment. Je l'avais pas celui-ci, je l'avais qu'en copie, donc voilà. Ensuite, on a fait pas mal d'achats. On a acheté des plaques de décoration, vous savez, métalliques. J'ai acheté deux robes que je vais vous montrer juste après. Et des magnettes. Voilà, hop, je vidais le sac, c'est plus pratique. Donc déjà, pour commencer, on a acheté des magnettes. Ok, il y en a une qui s'est barrée quelque part. Ah, elle s'est aimantée à la plaque métallique. Ouais, pour commencer, on a pris cette petite magnette-là, chat, pour ma belle-mère Catherine, qui adore les chats, elle est vraiment trop mignonne. Doudou en magnette a choisi celle-ci, donc avec une pin-up Sailor. Voilà, qui est très très jolie. Et moi, j'ai craqué pour celui-ci avec les petits pancakes. Voilà, pour la cuisine, donc ça c'est les magnettes qu'on va mettre sur le frigo. Ensuite pour la cuisine toujours, on a acheté pas mal de plaques, on en a acheté 6. Alors on a acheté pour commencer celle-ci, les chocolats fondants couleur, voilà, avec chaperon rouge et Doudou. Donc ça c'est le coup de cœur de Doudou, celle-là elle lui a vraiment plu. Et les magnettes du coup c'était 6€ les 3, il me semble, 10€ les 3, voilà, tout comme ça. Ensuite j'ai pris celle-ci, le rhum Kaiopa, je vais dire, voilà. Donc celle-ci elle s'accroche derrière, elle n'a pas de trou. Après j'ai pris un classique, j'ai pris la Banania comme ceci. Alors je sais que Banania c'était assez controversé pour le côté raciste du personnage, etc. Je comprends tout à fait. Moi je le prends juste par amour du rétro et parce que c'est emblématique en fait des décorations de rétro, c'est juste pour ça. Et pareil j'ai pris le chocolat du coup d'Elles Paul Avez. Comme ceci, que je trouvais vraiment trop mignon. Donc là, ils sont vraiment jaunes et tout, comme ça, on va mettre des touches de jaune dans la cuisine. Et voilà. Après, il y avait des petits flyers rétro, comme ça. Ensuite, la grosse plaque coup de cœur. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà, la pin-up ménagère de maison en train de faire des bocaux. Je trouve ça vachement sympa. Et ensuite, la pin-up sexy, comme ceci. Voilà. Et pour toutes les plaques, du coup, j'en ai pour 35€ le tout. Voilà. Ensuite, j'ai acheté cette robe. Donc là, ça va pas lui rendre vraiment justice de l'avoir comme ça. Et de toute façon, je peux pas la porter pour le moment. Elle est encore trop petite, mais je finirai par la mettre, je pense. Donc voilà. J'ai pris comme ça, je vous entends. Elle fait un peu serveuse de diner, je trouve. Voilà. Et après, elle est assez longue. Et elle est ceinturée à la taille. Donc une petite ceinture comme ceci. Donc Doudou l'a trouvée très belle aussi. Par contre, je sais pas si les épaulettes, je vais les laisser ou pas. Quand je la porterai, je verrai bien. Mais je suis pas sûre que les épaulettes carrées, ça me flatte vraiment. Voilà. Donc celle-ci, vraiment, je l'ai adorée. Elle faisait très très diner. Et la dernière chose, du coup, c'est une autre robe. C'est celle-ci. Donc là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que c'est très très informe.
Donc c'est une robe avec un col blanc, avec un effet pied de poule un peu. Enfin, avec un effet pied de poule et pareil les manches blanches. Assez long comme ça. Et le truc c'est qu'il y a quelques boutons en haut au niveau du décolleté ici. Jusqu'à la taille, mais en fait après c'est pas recintré, donc je pense qu'avec une ceinture rouge pour la cintrer, etc., ça peut être sympa, ou avec des fronces, enfin en recousant un élastique dedans pour la froncer, je pense que ça passera beaucoup mieux. À voir, je vais essayer déjà si je rentre dans... à l'heure actuelle je pense que je dois rentrer dedans, mais à voir ce que ça peut donner. Donc voilà. Alors voilà, c'est tout pour le petit haul de ce qu'on a acheté là-bas. J'espère que ça vous a plu un petit peu tous les extraits que j'ai filmés. En attendant, moi je vais clore le vlog là, parce que le vlog était principalement axé sur cette journée rétro. J'espère que ça vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire, ou même à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.